Alors, monsieur Bolling, racontez-nous un petit peu votre histoire, votre plus belle histoire de pêche. Oh ben, il y en a. Et celle que vous venez de me raconter, là, alors? Là, j'étais tout seul. Enfin, ouais. Je pêche aussi bien tout seul qu'en compagnie. Mais... celle-là, j'ai fini par l'avoir. Donc, c'est une truite que vous n'arriviez pas à avoir. Vous avez mis plusieurs jours avant de l'avoir, c'est ouais, ça? Plusieurs fois, j'ai cassé mon filet dessus. Et puis, donc elle est partie avec la mouche. Mais je suis revenu deux jours après. Quand j'ai vu qu'elle était encore là, c'est rare, hein, parce que bien souvent, quand ils sont piqués comme ça, on les revoit pas. Et celle-là, c'était son lieu sûrement. Bon. Donc je fais à peu près un bon 50 cm de fil. Je descends ça juste à travers les branches. Puis je vous dis que c'était pas des petites branches parce que c'était des épines. Alors pour descendre à travers des épines, c'est pas de la tarte. Ah ben, j'ai descendu ma mouche là à travers, juste devant le nez de la truite. Oh, quand on l'a vu, elle a gouvé. Je suis parti, elle a filé sous les saloperies. Ah, oh, mais dis bon, maintenant je te tiens. J'avais refait un bol digne tout neuf, forcément, puisqu'on avait cassé l'autre. Et puis, j'ai arrivé à la fatiguer. Une fois qu'elle était bien fatiguée, ben, elle est venue toute seule dans l'épuisette. Toute seule carrément, elle est venue. Elle a sauté dans l'épuisette. Elle n'a pas sauté dedans. Hein. Elle n'a pas été de bon tueur. Celle que je vous disais que j'ai de 54 cm, J'étais au moins un quart d'heure pour la sortir. D'accord. Puis alors, c'était sur l'habitude. C'était, vous diriez là, les pieds sur du sable. Bon. De toute façon, il va bien falloir que je la sorte, ce truc. Il n'y a pas trop de saloperies, elle va pas se foutre dans les saloperies. Mais alors, on faisait de ces embardées. La canne ne vous dit pas qu'elle était pliée, un vrai cerceau. Beaucoup, mes deux pieds, c'est beaucoup parti. J'ai glissé, il a tombé sur le cul.